Odyssea, ça a été un projet magnifique à vivre, en tout cas au moins dans son début, puisque Bonifacio, ville à la fois portuaire et profondément attachée à son territoire, avait tout à gagner à participer à cette aventure. Notre ville, où l'identité, qu'elle soit naturelle, historique ou patrimoniale, est très forte, avait véritablement envie de s'engager dans ce projet européen. Bonifacio a toujours été tourné vers l'Europe, tourné vers la Méditerranée, avec dans un premier temps une vraie vocation militaire. Puis aujourd'hui, les choses changent et c'est ce port de plaisance aujourd'hui qui est une superbe ouverture sur l'arrière-pays et sur la Méditerranée qui pour nous est un port à mettre en mouvement. Et avec Odyssea, on a pensé que c'était un des meilleurs moyens de le mettre en mouvement pour promouvoir à travers les quatre escales, promouvoir Bonifacio et ce territoire de l'extrême sud. Placer Bonifacio dans Odyssea, ça s'imposait, puisque Bonifacio, c'est cette ouverture vers la Sardaigne naturelle, nos îles jumelles, et je crois qu'avec les Sardes, nous avons beaucoup de choses à construire, nous avons beaucoup de liens à tisser. C'est aussi, et je le sais à travers la langue bonifacienne, c'est aussi un lien très fort avec la Ligurie. Je crois que là aussi, on a encore pas mal de choses à faire ensemble. Et puis la Toscane, parce que au-delà de Bonifacio, Bonifacio s'inscrit dans cette île qu'est la Corse, et la Corse, ce sont des liens très forts avec la Toscane. Je crois que là aussi, Odyssea est un formidable tremplin et une formidable porte d'ouverture vers nos frères sardes et vers nos amis toscans et ligures.